Hey, bonjour, bonjour les amis. Une petite vidéo Nowhere, juste pour vous montrer un peu comment ça marche Fallout 76. Là, on est en train de se faire la Big Boss, une Queen, Scarbitch Queen. Non, va-t'en pas. Reste ici. T'as pas compris ce que je voulais dire. Ça fait désirer un matin, madame.
Je range mes choses dans la boîte. Ah. Le chemin de l'illumination. Bon, j'imagine qu'il va finir, lui. 45 sur 50. Ouais, c'est ça. Puis quand on le touche à lui, ça nous donne un petit bonus d'XP. On le voit pas souvent, fait qu'on en profite. Moi, j'ai ramassé. Des bioluminescents pour rien. On peut les jeter. Moi, on peut l'acheter, ça je peux l'acheter. Ma petite maison. Voulez-vous participer à ma chasse au trésor? Aujourd'hui, nous récoltons déchets nucléaires instables. Bonjour, madame. Heureuse de vous revoir. Je vais recycler mes affaires. Ça me donne des ressources. Pouvoir après se réparer, crafter des choses. Ouais, c'est ça, ma petite maison, avec tous mes, mon vendeur, mon fridge, mon congélateur, mon jardin sur le toit, pour pas qu'il se fasse manger par les bébites. Que ça, ouais. Je vais me faire à manger un petit peu.
plus que ça. Tu veux des Yaogwai, ça pourrait être payant ça. Tu veux des ours, des pauvres petits ours. Réglé ça. Ça me semble qu'il y en a un avec 3 étoiles. J'ai perdu ou quoi? Non, c'est pas lui non plus. Non, j'ai rêvé ça. Non, non, il y avait bien 3 étoiles. Qui m'a donné une étoile. C'est avec, des fois c'est ça. Encore un petit nouveau qui sort. Ah non, c'est pas un nouveau là. Il n'y a plus beaucoup d'événements sur la map. Alors moi je vais aller vendre mes affaires dans un vendeur. Cet été, il y a un événement, non? C'est ça ici. Pour faire des points, gagner des choses journalières, hebdomadaires. Puis ça nous donne des petites affaires de fun, non? Ça se termine au mois de septembre. Puis au mois de septembre, il va en avoir un autre, un jeu comme ça. Non? C'est pour garder le monde dans le jeu, faire jouer le monde. Là. Ça donne plein de petites affaires. Là. Des fois, il y en a qui valent rien, mais des fois, il y en a qui sont cool. Ça dépend. Attention, toute tentative de vol sera punie. Une main en moins, ce n'est pas cher payé. On a un certain nombre d'argent ici par jour qui on peut vendre. On peut vendre des choses aux vendeurs. Ça se fait un petit peu d'argent comme ça. Ça c'est fait. Non, il y a un petit événement quelque part. Non, il n'y a rien. Mais on peut en forcer quelques-unes. Il y a ça, mais pas. Oh.
Donc on va voir si le tunnel de Big Ben est ready. So le tunnel de Big Ben is ready. Qui veulent se faire les capsules, foncent dans le tunnel. Ouais. Maintenant que les gens sont revenus dans cet endroit, ils veulent tous bâtir leur propre fondation. Ok, let's go. J'ai l'impression qu'il y a toujours des nuages. Le tunnel de Big Ben. Salut, Kieran. Ça me fait plaisir de vous revoir. Alors, comment va la famille? En sécurité. Eh bien. Et ma communauté aussi va bien. C'est gentil de demander. T'es moche. Eh bien, ça va être rigolo, ce trajet. Ok, écoutez tous. Notre boulot est d'escorter ces Brahmines de l'autre côté du tunnel. Attendez-vous à de la résistance. Beaucoup. Vous serez payé pour chaque Brahmine qui s'en sort. Nous emporterons un chargement d'armes et de munitions de premier ordre. Donc, j'apprécierais si vous faisiez vraiment attention. Avec un peu de chance, la récompense que vous aurez pour m'avoir aidé à rester en un seul morceau compensera largement les balles que vous investirez. Allez, continuons. Ah, et si qui que ce soit veut partir en éclaireur, il y a peut-être de vieux chargements de nos expéditions moins chanceux. C'est un groupe. Mais oubliez pas les Brahmines. Quand on veut créer une équipe, on appuie ici. Quand on a des choix d'équipe qu'on peut créer. Moi, je recherche surtout les événements. Parce qu'on fait un événement comme ça, ça me donne plus d'XP. Pas qu'on manque jamais de voyous à tuer ou de trésors à trouver. Kieran, génie. Comment ça va? Oh, la routine. Juste une autre promenade à travers ce tunnel magique. Bon, je pense que ça va être tranquille aujourd'hui. On... Attendez. Silence. On a un problème. L'aigle sanglant en approche! Et c'est reparti. Derrière. Attention envers. C'était quasiment une armée. On a dû tous les avoir là, non? Non. Ce n'est que le début. Ne baissez pas la garde. Allez, on se met en route. Ils savent qu'on est une menace maintenant. Je parie que tout leur groupe en est informé. Peut-être qu'on les a fait fuir. On leur a peut-être fait peur. Non. Vous avez déjà considéré faire un autre genre de travail, Kieran? Ouais. Souvent par le passé. J'arrive pas à vous imaginer dans quelque chose de plus plan-plan. Kieran le pêcheur, Kieran le barman, Kieran le chanteur. Donc je suppose que ça a pas marché. Non, en effet.
une barricade. Il va falloir la détruire. Je vais poser les charges pour déblayer. Couvrez-moi. Ils doivent tenter de nous immobiliser. Attendez-vous à un peu d'action. Il y en a d'autres. Oh, ils balancent tout ce qu'ils ont, parce qu'ils savaient que la goule marchande arrivait. Ils imaginent toujours qu'on est des proies faciles. On va leur faire regretter. Reculez. Ça va exploser. Bien, on prend son temps. On ignore ce qui nous attend. Avec cet itinéraire, ça permet de canarder plus d'ennemis. Eugénie, je pensais que tu le savais. Bien sûr que je le savais. Et là, je vous ai enfin fait parler. Racontez-moi, comment était votre enfance? Ah. Allez, on arrête les bêtises. Ah bah là, ça commence à faire un moment que je joue la marchande itinérante. J'ai passé près d'une décennie coincée dans notre complexe, à me cacher de gens qui me tueraient à vue, juste pour ce qu'on est. Les capsules à échouer, les gens vous parlent. Mais vraiment armés jusqu'aux dents, aide peut-être aussi. Certaines personnes, les aigles sanglants par exemple, hein, impossible de discuter avec eux. Exactement. Hésiter, c'est mourir. Attendez. Quelque chose cloche. Eh ben. Je m'attendais à plus de représailles pour un capitaine. Vous entendez? L'ennemi arrive. Il va falloir tenir. Surveillez nos flancs. Ils vont débouler de tous les côtés. Je tire! Je tire!
bien s'amuser. Il y a une brèche. Allez, on bouge tant qu'on peut. Faites une percée. Allez-y. Il semblerait qu'on soit sorti d'affaire. Bien joué. Je suis vivante et j'ai encore une cargaison à vendre. Merci. Allons dehors. GG. Je fais. Un peu, je viens de gagner une... un truc que je mettrai jamais, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rien du tout. Ah, rien du tout, du tout. Ouais, c'est moche. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, il y a quelque chose ici. Uranium fever. Ah ben. Ouh, ça lag. Détection d'un membre licencié de la direction. Expulser cet individu des lieux. D'uranium extrait et traité. Augmentation de la quantité de rendement. D'un membre licencié de la direction. Veuillez expulser cet individu des lieux. Volume satisfaisant d'uranium extrait et traité. Augmentation de la quantité de rendement. Les drops dans le jeu, là, les bons drops, ils sont rares. Hein. Ils valent cher hein, quand t'en as un. Ugh.
volume satisfaisant d'uranium extrait et traité. Augmentation de la quantité de rendement. Détection d'un membre licencié de la direction. Veuillez expulser cet individu des lieux. Satisfaisant d'uranium extrait et traité. Augmentation de la quantité de rendement. Extraction terminée. Les extracteurs doivent être entièrement nettoyés et ventilés avant la poursuite de l'opération. Veuillez vous écarter. Bon, puis là, faut ramasser. Crafter des balles pour en retuer. C'est no choice. Je pense que c'est à peu près tout. On va les convertir tout ça en acier. De l'acier, de l'acier, de l'acier.
encore trop lourd. On va vite déposer ça chez moi. Salut, vous. Vous avez décidé de venir éclaircir ma journée. Chose à vendre pour le vendeur. On va aller voir lui ici, tiens. Ok. Moi que vous regardez, et si vous m'achetiez plutôt des trucs. Note aux gourmets, la tendreté de la chair humaine n'atteint pas un niveau acceptable ici. Il n'y a vraiment pas grand chose. Rien. Je sais pas ce que j'ai à faire, là. J'ai jamais fait ça. Là. Ouais, peut-être une fois il y a longtemps. Attention cependant, ils sont dû littéralement péter un boulon pendant l'embuscade.
cascade. Ils sont extrêmement dangereux. Je pourrais tout aller dropper, là, chercher de l'acier, de l'aluminium, des affaires. Je fais un petit peu lâche un matin. Ça va, c'est bien fini. Ouais. Votre service, madame. Servir et protéger.
Allô? Allô? Allô, salut. Allô, salut. Salut, ça va? Ouais, toi? Ça va, super. Je voulais juste te poser une question, vu que je pense que tu joues à Fallout 76. Bah ouais. En gros, il me reste assez d'argent sur Steam pour m'acheter le jeu. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que le jeu est dans un assez bon état pour être jouable, quoi? Parce que j'avais entendu des histoires comme quoi. Avant, il était injouable. Ouais. Ouais. Est-ce que là, ça a changé? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu me conseillerais de me le procurer, là? Ouais, là, tu peux jouer, actuel. Ah ouais, c'est ça va, il a été patché, tout? Il a été patché, ouais, il y a encore des bugs, mais tous les jeux... Je joue à d'autres jeux, mais ils sont tous pareils maintenant. Ouais. Ah, je voulais savoir si c'était pas catastrophique, parce que j'avais entendu que... Ouais, il était avant catastrophique, ouais. Ils ont sorti un intro tôt, le jeu. Ouais. Et du coup, là, ça va mieux, là, tu me le recommandes. Là, ça va mieux. Ok, bah super, je voulais juste savoir ça, bah merci. Ouais, les quêtes, les trucs, tout, c'est... Il manquait une deuxième partie au jeu et puis ils l'ont ajouté là récemment. Alors le jeu est comme complet maintenant si tu veux. Ok. Bah, il y a un événement en plus qui vient de commencer, donc si tu l'achètes, tu vas pouvoir participer à l'événement jusqu'au mois de septembre. Ok. Mais tu peux revenir quand tu veux, hein, souvent. Ouais. Bah, aujourd'hui on n'est pas beaucoup, il y a souvent des Français qui se connectent, hein, des Québécois, des Français, même des Français de la Polynésie qui se connectent de temps en temps. Bah écoute, super, bah merci, je voulais avoir confirmation d'un joueur du coup du jeu, bah merci, t'as répondu à ma question, bah super. Ah, y a pas de problème, je te laisse, c'est je bon. Te souhaite une bonne journée, ouais, toi aussi. À la revoyure. Hein. Reconnecte-toi, si jamais tu l'achètes et que tu commences à jouer, connecte-toi, on t'aidera. Je compte l'acheter là maintenant du coup, bah vu que tu m'as confirmé, j'hésitais, mais là voilà. Il vaut la peine maintenant qu'il est fini. Mais il y a un an, je t'aurais pas vu le même truc. Il y a un an, je t'aurais dit attends un an, quoi. Ouais. J'imagine, ouais. Ah, vas-y. Bah, merci. Allez. Bonne journée. Bonne à plus, toi aussi. Merci, toi aussi. Vas-y, salut. Voilà, encore un petit nouveau. Est-ce qu'on a un autre truc? C'est facile. Obligatoire.
Le projet Haricots Magiques repose sur des mélanges chimiques expérimentaux afin d'améliorer le rendement des cultures. Ces composants peuvent causer des effets indésirables en cas de contact cutané. Veuillez suivre les protocoles de sécurité idoines. Activation du mécanisme d'épandage chimique dans 3, 2, 1. Un peu longue celle-là aussi. Il y en a qui sont longues, il y en a qui sont super courtes. Test du mélange LO Z Anneau appliqué avec succès sur emplacement. Site alpha du test d'épandage horticulteur 014. C'est bien. Châssis extérieur endommagé. Alerte! Alerte! Oh, c'est vrai que le jeu était difficile au début. Il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement déçus. Mais finalement, il redresse tranquillement la barre. Sauf que c'est ça. Tous les vieux joueurs avec qui j'ai joué ou avec qui je suis venu jouer ici, sont jamais revenus. C'est ça qui est moche. Très moche. J'ai perdu des bons amis, des bonnes personnes. Ça va voir peut-être un jour dans un autre jeu. Moi j'attends Star Citizen. The Big Space MMORPG Open World qui devrait sortir d'ici un an, peut-être deux. Je vous encourage à aller voir les vidéos, les trailers de Star Citizen ou de Squadron 42. C'est deux jeux qui développent en parallèle. L'un va être un big monde ouvert à mémoire RPG, puis l'autre va être un... l'aventure, là, ce solo, là, le mode solo des quêtes. Du mélange HEN Best, appliqué avec succès sur emplacement. Site bêta du test d'épandage horticulteur 014. Méchante bébête, hein? Hein? T'es réglé. Je suis dans une zone assez facile aussi, là. Il y a plusieurs zones dans le jeu. Ici, c'est comme tout facile. Plus on s'en va de ce côté-là, plus c'est... c'est de la grosse bite. Difficile. Du 7, c'est dans les niveaux 30-40. Ici, on tombe dans 50. Là, c'était pas 50, puis tu viens ici. Là. Ça peut être dangereux pour toi. Mais moi, je suis un tank, hein, je tiens à le préciser. Hein, je suis. J'ai farmé mes armes longtemps, j'ai monté deux persos en fonction de deux types d'armes que j'ai looté pendant un an et demi. Junkie et Bloody. Armes lourdes les deux. Je trouve que Bloody, arme lourde en ce moment, c'est pas... c'est vrai que c'est trop nerfé. Ça marche pas toujours en fait. Ou c'est nerfé peut-être pour pas que ça fasse trop de dommages, puis que ce soit trop. Hein. Parce que déjà lui est puissant, donc le Bloody. Appliqué avec succès sur emplacement.
site gamma du test d'épandage horticulteur 014. J'ai fait une vidéo d'ailleurs au sujet du Bloody. Même il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo au sujet de ce perso-ci, là, comment il est monté, là, les cartes et tout. Ouais. Et sur ça, les amis, moi, je vais bientôt arrêter. Ça vous a donné une petite idée, peut-être, en tout cas, j'espère, du gameplay solo du jeu, parce qu'on peut le faire aussi en équipe, hein. Il y a des choses plus difficiles à faire. Là. Puis il y a des grosses affaires qui s'en viennent cet automne ou l'hiver prochain. Il y a des grosses affaires qui s'en viennent. La confrérie de l'acier, notamment. Il y a Amazon qui va commencer à développer une série basée sur Fallout, l'univers de Fallout. Ça va être bien, ça aussi. Ça devrait ramener du monde dans le jeu, ça, éventuellement, quand ça va sortir. Ça devrait donner un second souffle au jeu. Enfin, j'espère. Ben, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste qu'ils l'ont sorti un an trop tôt, c'est tout. Allez, sur ça, les amis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé le petit gameplay que je vous ai montré. Là, facile, quand même assez facile. Là. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, gênez-vous pas de passer sur Discord si ça vous dit. Un petit pouce bleu aussi, ça serait apprécié. Allez, à plus, les amis.